Information dernière, bonjour, bonsoir tout le monde, content ensemble avec vous, pas oublier de connecter réseau information, c'est Sophia TV 83. Bienvenue sous dernière nouvelle. Unité spécialisée dans la police nationale là, tant que soit UDMO ak UTAG mené une opération journée jeudi à là dans zone Lafito Minoterie ak Sous-Matla, c'est opération tête chargée. Objectif fait intervention ça, c'est pour cap continuer toujours pour chasser courir des groupes armés qui veulent qu'un besoin ça en otage. J'ai recommencé à faire là depuis quelques temps. J'aime dire tout dans l'échange coup de zam avec la police. Il y a plusieurs bandits qui tombent et à l'autre qui blessé. Surtout dans la zone ça yo, la police grâce à unité engin louyo rivé déblayer route et puis déboucher gros trou bandi yo te fait pour empêcher progression force l'audio rivé dans fief côté OIA. Sous instruction commandant chef la police là, Franz LB, Gablende cap continue fait patrouille sous route là, défiler en haut, en bas, sous route nationale numéro 1, dans zone sa yo, surtout la Fito ak Minoterie sous mat là, pour capable, ouais, nan ki moyen, yo pral kwape toute bande. Sanction yo ap continue prend en Haïti, dossier yo ap jwenn yon l'autre dimension, Eve Fouka, Woni Celestin, ak tout l'autre alcoolique PHTK yo, vraiment un problème. Femme digne de l'autre côté, opération la police a continué côté que un pile gros bandit rivé en bas code pendant week-end. Nan. Mesdames, messieurs, restez là pas débrancher information à l'autre pour le faire essentiel. Actualité à pour jour jeudi lundi 5 décembre 2022. Pas oublier de connecter plus gros réseau information. C'est Sophia TV 83. Restez là pas déconnecter plus de détails à l'autre à venir dans la prochaine édition. Nouvelle là, c'est qui ça et Blaise, c'est opération li toujours et a mené dans niveau et 9e section communale dans zone comme sous cité pour la yo c'est Minoterie sous Matla et puis titan la police mette pied à terre depuis environ 6 heures hier après-midi toute la nuit là jusqu'à matin là opération a mené qu'il y a plusieurs bandits qui tombés qu'il qui blessés même pour qu'on ait un chiffre officiel pour ta communiquer et amis et auditoire et journal Mika matin. Faut nous dire hier la police menait une opération dans niveau 9e section communale Cabaret dans zone Lafito Minoterie et puis et sous ce matelas c'est opération qui fait toute la nuit là d'après les premières informations qu'il y a plusieurs et bandits qui tombaient et qui en pile tout et qui blessés et blessés dans cadre opération ça et puis la police avec matériel engin lourd qui a gagné pendant opération ils ont facilité yo boucher plusieurs trous bandioté et mettez dans zone nan yo façon pour la police pas capable atteigne en pile balle chanté hier dimanche là dans Carrefour côté en bandit dans quartier Garavine pour l'autre fois encore t'est envahi diverses localités dans Carrefour surtout zone Savane Pistache côté monsieur ça arrivé bouler plusieurs cailles. Poko gen trop détail pour connaître ce gen moun qui mouri mais n'apprend gen plusieurs moun qui sorti blessé moun nan quartier Carrefour Savane Pistache précisément Caridad yo même yo obligé té hier soir passé un mauvais moment couché à tes plate hein sous ventio en bas cabane ça té gen chance pour quitter zone nan pour quitter mais ça pas de chance c'est veille de nous t'a fait hier soir tellement coup bal t'a chanté et nèg yo piqué dife dans divers kay dans zone si là selon et en pile citoyen qui même t'as lancé alerte, t'as lancé SOS, bon côté divers journalistes. En plus, monde, tout est obligé de quitter quartier Sayo pour empêcher aux victimes en babal, bandits dans quartier Grand Ravine. Mais la fait qu'on est tous samedi qui était exactement et 3 décembre, mais il y a plusieurs milliers de monde dans différentes localités. En deux d'un Carrefour, pas oublier Carrefour, c'est 25 quartiers qui, bon, gros bloc ça, mais moun 25 quartiers, ça a été marché dans deuxième circonscription de Port-au-Prince, soit type place Jérémy Poil Bout devant des vidéos qui trouvait la sous Chalbassa pour aller mander avec responsable de la police pour capable prendre toute disposition pour empêcher Carrefour deuxième nan que nèg exam envahi là prendre sous contrôle en écouter quelques protestataires dans micro la presse. Petit à petit, 23 jours dans Maron, 23 jours petit, tout va à l'aise, 23 jours dans Bassevaux qui dans 50 gouttes, nous avons dans nous avons mouru, nous avons un cadavre, 23 jours, nous avons 5 coups pour savoir plus ça, 5 coups pour Carrefour, nous baissons à l'aise, ah bah gang, nous pas gang sérieuse, c'est mon foi avec Carrefour, nous à l'école, nous avons fait métier.
Donc, je dis qu'on a une obligation pour avoir les yeux gardés, ça qui passe en de la là. Et voilà, ça c'est déclaration, mais ça c'est voix cri divers habitants dans le quartier Carrefour Jean Sodilan qui samedi avant même hier dimanche que nèg envahi diverses localités dans Carrefour et Cocarida dans Savane Pistache, mais samedi hein, t'es déjà un mouvement t'es fait dans deuxième circonscription Port-au-Prince, précisément sorti zone place Jérémy pour Albout Douvan, direction départementale Ouest Police des DDO qui devait chercher de basse côté. Eh bien, habitants dans le quartier Carrefour-Feuille, tu as demandé avec responsable de la police pour capable prendre toute responsabilité pour empêcher les examens envahir deuxième, empêcher les examens prendre contrôle deuxième circonscription Port-au-Prince. Dans le fait qu'on essaie habitants dans une zone qui ont même qui monté la garde, qui a essayé de garder comment capable empêcher avec les examens envahir deuxième circonscription Port-au-Prince. Et nous connaissons déjà, non censé gagner nous prenons dans 3-4 semaines depuis que les examens a pas problème dans zone ça et qui déjà la cause des monde qui perdit la vie, des monde qui blessé, gagné divers monde qui perdit caillou qui boulé rapidité en bas action bandits dans zone ci là. N'a pas bralé avec arrestation la police fait pendant dernier jour ça yo gagné Jean Elmita qui c'est madame Tigabien c'est connu et si connu qui c'est un membre gang qui gagne en tête. Vite l'homme, Torsel, la police arrêté la Peigné, zone qui située dans la commune Pétionville. Elmita arrêté pour implication présumée dans Zak Banditisme. Parmi eux, assassinat policier, kidnapping et association malfaiteur. Il est actuellement dans garde à vue poursuite judiciaire nécessaire. La police nationale d'Haïti, dans le cadre d'exécution nouveau plan sécurité, a accéléré l'opération dans l'idée pour démanteler les foyers gangs qui ont évolué tout partout en d'un pays. Toujours arrêté sur la police nationale d'Haïti, posé la patte son groupe membre gang Savien, selon Saoudi, un membre influent. Réseau gang Savien, monsieur Elie Jean Sylvain, les gars 27 l'année sous le bois tête, la police nationale d'Haïti a arrêté monsieur, pendant le week-end là, non côté que les Mouroudouettes, Mouroudouettes, une localité qui trouvait la tirée vers la Tibonite, tout ça qui est les Jean Sylvain, monsieur Sénèg, Grande Saline, mais c'est un patron police qui t'a opéré dans ses macas, qui t'a fouillé, j'ai gardé dans ses macas, qui posait la patte sous, citoyen ça qui est les Jean Sylvain, qui gagne 27 l'année sous tête, les jeunes hein. Monsieur qui c'est membre influent groupe gang Savien qui a des problèmes dans Tirivière la Tibonite. Après tout le route de frère, la police interpellé pendant week-end gagne Fedi Pierre avec le grand Enol. Fedi Pierre qui gagne 22 l'année, le grand Enol qui gagne 23 l'année, yo c'est membre actif gang qui gagne en tête li vite l'homme qui basé dans Torsel, yo spécialisé dans volet exam et puis enlèvement assassinat. Fedi Pierre fait Port-au-Prince et puis le grand Enol fait dans Pétionville, yo t'a vive dans Pernier 38. La police a arrêté yo à ses forces l'audio na Pernier à Cafou à Saint-Clair, yo arrêté tous les deux monsieur Sayo pas trop loin Académie nationale police là. Zak criminalité qu'a fait dans région métropolitaine Port-au-Prince là, n'a frontière retourné là à Athènes à niveau centre-ville Port-au-Prince que n'a prend pendant week-end là, gagne un cas kidnapping qui fait dans zone Ruelle Vague sur localité. Alors, c'est un bloc, un rue qui trouvait dans zone rue Capois, zone Sayo, zone pas peu de choses. Mais Axam kidnappé pendant le week-end là. Deux mondes kidnappés, dit environ deux après-midi. Axam dans machine débarqué dans zone complexe médical Elohim et puis Jérusalem Hôtel, entre deux zones Sayo, entre deux institutions Sayo. Vendredi 10 décembre, mais Nèg débarqué pendant le week-end, mais posé la patte sur le monde.
kidnappé dans zone Riel Vague. Mais n'a fait qu'on est Riel Vague là, c'est pas première fois cas de kidnapping a répété dans zone Riel Vague. Nous songeons, nous étions là où t'es kidnappé docteur Pierre, qui dans zone ça, il était kidnappé ton mécanicien dans bloc là, et souvent fois les kidnappings fait dans bloc ça, habitant dans Riel Vague n'a pas peu de choses souvent faire de mouvements protestation pour capable exiger libération monsieur. N'a dit bien BC za kidnapping qui retourne à répéter en force, retourne à répéter dans diverses rues, dans diverses localités, divers blocs, dans pas peu de choses en disant, et bien, week-end ça se passe là, mais n'a pas kidnappé deux mouns dans machine qui trouvait dans zone complexe médical Elohim à K-Hôtel Jérusalem qui dans bloc Riel Vague. Nous avons poursuivi avec information. Nous avons annoncé ça dans notre site journal, la directeur central police administrative, l'inspecteur général Joanny Caneus, qui est installé samedi 3 décembre, dans le commissaire divisionnaire Bruce Myrtille, dans la tête direction départementale La Tibonite. Bruce Myrtille remplacé dans le poste, commissaire divisionnaire Ralph Dominique, qui a intervention pour mettre pour travail, dans la tête collée avec toute l'institut police qui a évolué dans le département, dans l'idée pour lutter contre la violence. Groupe Nega Exam l'a fait dans le niveau principal, axe routier. Nous avons tout gardé ça là avec nous là. Nous allons venir avec information concernant et nouvelle ça là. Gagné un commissaire gouvernement à Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, qui lui-même réagit là. Mettons notre démenti dehors pour démentir information qui fait quoi là que l'État a libéré un certain de Albert Stevenson alias Juma. Ben, on nous garde rapidement dans notre démenti formel ça que le commissaire gouvernement à Port-au-Prince. M. Jacques Lafontaine mettait dehors. Ministère de Justice, que Sécurité publique, paquet tribunal civil, Port-au-Prince, en date 3 décembre 2022. Note de, pour le démenti ça. Information qui a circulé sur tout réseau social, lui, au fait quoi que commissaire gouvernement, pour le tribunal première instance, Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine, l'ITA, procédé à Xanili, libération certaine de Albert Stevenson alias Juma. Qui est même dans la prison Pétionville, dans la prison civile Port-au-Prince, on dit bien, dans la date qui est à 2 décembre 2022, qui donc l'État libéré citoyen ça, mais le commissaire gouvernement lui rappelait avec attention tout le monde, population, hein, mais que notre ça que limité de l'Iran public là, pour l'annoncer, mais pour le faire connaître, que sous plan action que lien que gagne avec politique pénale gouvernement, qui donc lui-même est là, pour l'appliquer politique pénale gouvernement, que lui-même lui représentait comme commissaire gouvernement. Il y engage, il l'a engagé pour la bataille contre question banditisme en de pays hein, et pour le rapoussible tout auteur, co-auteur, tout le monde qui complice dans question et association malfectaire qui au même cap fait un ensemble de vie action dans la société ya, pour le traduit Mounsayo devant la justice. Ce qui donc lui-même n'est pas entré dans cause ça. Commissaire gouvernement Port-au-Prince, pour ton démenti formel. Avec déclaration, ça qu'a fait sur déclaration mensongère que le qualifié, c'est menti que yo yé, pendant que l'IFE connaît ces déclarations, ça yo, c'est pour sale image justice payant et pour sa image que lui-même comme autorité judiciaire, c'est ça qui dit dans notre démenti ça que le commissaire gouvernement Port-au-Prince qui se met Jacques Lafontaine mettait dehors, démenti information qui fait quoi que lui est à libérer Albert Stevenson alias Juma selon ça en pile moun yo même a dit n'a fait qu'on est Juma c'est une chef Genève en famille et allié qui a dirigé Simon Pelé d'après élément information qui donc mais information qui fait quoi que le commissaire gouvernement Port-au-Prince Jacques Lafontaine, t'as libéré citoyen ça, mais le commissaire gouvernement, les démenti information, ça a dit pas sa pièce, li pas libéré aucun présumé bandit, au contraire, il est engagé pour le travail, pour permettre que, mais justice payant, et quel que soit monde qui, au même, cap, bah, problème dans la société, ya, pour le traduire, néo, devant autorité et compétente. N'a toujours été, non, information, ça, nous prenons venir avec, ancien ambassadeur, bien, ancienne ambassadrice, si nous disons ça, parmi la Anne White, qui lui-même réagit sur la situation en Haïti, a connu dernier temps si là. En Haïti, eh bien, si moun ki jodi an la, ki blessé en babal bandi, yo continue à allonger sous do kaban l'hôpital. Selon ça qui dit. Pendant mois octobre 2021, septembre à date, mais gade kote yo sensé là,
intercepté 7000 moun contre 1527 pendant 12 mois qui t'est passé avant yo. Qui donc, situation en Haïti a poussé ensemble moun qui t'est payant pour aller chercher la vie de l'autre côté. Mais l'autorité de l'autre pays, pas suspendre arrêté yo, ben ça cap moun dans la mer, soit sous les Bahamas, ça Dominique a maltraité. Gang cap goumé nan mitan yo, gang cap touye Marie, hein? Cap touye Marie devant madame yo et cap violer madame devant Marie yo. Maman qui a perdu petit yo, maman cap gade petit yo cap prend bal, petit yo cap souffri devant nèg exam. Mais choléra qui a fait la rage en de pays, ti bébé cap prend bal, mais presque tout rien de pays là, surtout dans région métropolitaine Port-au-Prince, son question mouvement protestation, c'est question nèg exam, c'est kidnapping, c'est assassinat, tout ça yo c'est des situations qui a passé en de pays que mais là, Anoua mettait accent sur lui. Il y a presque 20 000 personnes qui menacent là, presque 20 000 personnes qui risquaient de tomber là, mourir grand goût, mourir la faim. Il y a 2,9 millions de personnes qui presque censé dans situation là mal cap vivre avec une question malnutrition aiguë. J'avais dit mon ça regarder grand goût enragé. Il y a presque 2 millions cap souffrir avec malnutrition qui dans dernier niveau. Il y a une malnutrition, mais une malnutrition dans des derniers niveaux. Il y a 2 millions qui vivent avec une question de malnutrition très aiguë, dernier niveau. Mais qui, je dis là, gagne question manger qui t'a doué joindre, que t'a doué joindre. Mais lui paraît très difficile. Et moun sa yo, nan tant qu'à venir là, risqué perdre la vie. Yo. Mais il est clair que, mais pas aucun sentiment d'urgence, bon côté, ou ensemble média, aux États-Unis, ensemble de acteurs politiques aux États-Unis. Qui donc, selon Pamela Anouaï, les trouvé que, ensemble médias aux États-Unis, ensemble acteurs politiques aux États-Unis, yo ça s'est fermé, yo sous situation, ça yo, que Haïti a fait face, là. Et situation ça qui paraît très compliquée, et qui, je dis à la mandé en pile attention, mandé en pile action posée. Mais action gang yo, mais je dis à la, qui paraît très compliqué, qui peut apprendre pile dans la société, ya. Non sans ça, Pamela Anouaï, lui-même, lui fait qu'on est que là, t'as deux gon convois, 2000 soldats qui t'as dû arriver pour accompagner de convois qui a pour te manger, pour te des besoins by moun qui eux-mêmes dans une situation très difficile en Haïti. Qui donc, pour protéger convoi ça, pour protéger aide ça que t'as dû porter pour Haïti, surtout moun qui dans une situation difficile ça, mais lui parle que faut t'as gagné normalement ou possibilité de 2000 soldats qui t'as dû arriver en Haïti. Mais pendant que l'éclair que je dis en situation ça, selon Pamela Anouaït, l'est très compliqué en Haïti et l'est fait appel avec conscience en pile monde, mais surtout les mêmes comme ancienne ambassadrice en Haïti, mais qui reprochait des médias avec des politiciens États-Unis qui ça s'est fermé yeux sur ensemble des situations, ça aussi surtout que Haïti a fait face problème gang cap tout le monde la Saint Journée, gang cap tout Marie devant madame yo, gang cap violé timoun yo devant parent yo, question choléra ensemble le problème ça yo, li senti gagnon en dit un blackout qui fait beaucoup d'autorité américaine yo sous situation surtout politicien yo, mais croit que je dis a gagne aide qui doit porter gagne support qui doit venir pendant que Amérique ta doit gagner de soldats qui ta doit accompagner qu'on voit ça pour porter aide avec monde qui n'a besoin d'Haïti. On poursuit avec une réaction toujours sous question phénomène et sécurité à LV8 Vicker qui m'a dit pour qui ça la police acclamée continue à toucher alors qu'il n'y a pas qu'à jouer une solution à crise avec phénomène et sécurité ça citoyen ça cap diriger société civile là dans cahier quoi population pas qu'à supporter encore à que force en cette de guerre révolution pour sortir pays en calamité liée journée aujourd'hui département trésor États-Unis qui réagit qu'une fois ça bon côté pâle. Mais États-Unis, nous-mêmes, qui ajoutait là, de leurs politiciens haïtiens, dans liste politiciens haïtiens qui ont déjà sanctionné, qui ont acquisé comme monde qui, dans la question de trafic illicite de drogue, dans la question de bagage de drogue, et qui a utilisé tout, influencio pour financer des nègres armés en d'un pays. Mais n'a pas l'air du sénateur Winnie Célestin et ancien sénateur Richard Lénine Hervé Foucan, que nous songez, moi, passé là, ok, autorité d'un pays Canada te prend sanction contre eux. Pour qu'on y a, c'est autorité États-Unis qui vient prendre sanction contre deux acteurs ça. Et ça fait déjà 4 acteurs haïtiens qui sont censés là tomber en bas sanction autorité d'un pays États-Unis. Département Trésor, lui-même, dans États-Unis, dans le cadre d'efforts que Washington et à Canada pour capable réprimer violence à gang à corruption qu'a faite en Haïti, indexé.
actuel sénateur Winnie Célestin qui représentait plateau central dans le Sénat République là, qui acheté une villa de luxe qui coûtait 4,25 millions de dollars dans la communauté Laval, dans le pays Canada, ensemble avec madame, ni membre corps diplomatique pays, qui ça qui soulevait en plus soupçon, en plus enquête beaucoup d'autorités dans le pays Canada. Oni Célestin, qui a longtemps lui-même, les autorités enquêtées États-Unis, Utah contrôlé monsieur. Monsieur était dans le collimateur autorité, et comme d'habitude, il a veillé monsieur, il a contrôlé monsieur, mené enquête. Ensemble d'informations concernant tout ça par rapport avec richesse et relation à fait que lui-même les gagne. Hervé Foucan lui-même, c'était ancien sénateur et représentant du département régional sud dans le Parlement haïtien, qui était représenté, un ancien sénateur représenté sud pays. Monsieur était arrivé sous pouvoir, sous présidence ancien, alors son ancien président Martelly, et après tremblement de terre qui était frappé en dit Grand Sud, on a parlé de août 2021. Selon information, Hervé Foucan était utilisé et propre avion li pour te permettre que prend moun amener à l'hôpital, venir avec amener à l'hôpital. C'est bon. Comme c'est Winnie Célestin, l'activité commerciale monsieur gagne longtemps que autorité dans pays États-Unis a veillé activité monsieur, a posé question pour qu'on ait ça monsieur après comme activité et ça l'appelle comme activité. Yo, qui ça côté le joint moyen pour lui? C'est ni Winnie Célestin ensemble avec Richard Hervé Lénine Foucan. Qui ces deux exemples politiciens haïtiens, selon autorité et département trésor États-Unis, qui corrompu et qui abusé de pouvoir yo, que pour pratiquer ensemble activité question de trafic de drogue dans la région. C'est ça qui était déclaré par côté Brian L. Nelson, sous-secrétaire de Trésor pour terrorisme et renseignement financier. Le département Trésor, États-Unis, continue lui-même à garder le travail, ça. Fonctionnaire qui corrompit et acteur malveillant qui est responsable qui sont trafic illicite de drogue et qui a déstabilisé en Haïti. Bureau contrôle, question à voix étrange dans le département Trésor, déclaré. Les dispositions qui donc qui gain information qui montre que Winnie Célestin c'est au monde qui livre qui n'ont ensemble activité trafic international de drogue et qui utilise position politique li fait drogue sorti Venezuela pour entrer en Haïti et fait sorti Haïti tout pour aller et États-Unis Bahamas ensemble de côté selon ça qui dit bon côté agence là département trésor. Li fait qu'on est. Hervé Foucan lui-même, li engagé l'ensemble activité de trafic international de tout. Et ses propres avions que le gagnant, pour capable de transporter drogue sa yo à travers le sud pays d'Haïti. Selon ça qui déclaré, bon côté communiqué département trésor là. Foucan, selon ça, dit Hervé Foucan, t'a tenté d'utiliser influence politique li pour installer un ensemble de monde, un ensemble de postes dans le gouvernement, pour qu'il soit capable d'aider, faciliter l'activité de trafic de drogue qu'il a fait. Mais, ça qui peut répondre, moi, il faut que jusqu'à présent, qui peut répondre, qui va dire rien de tout ça, on t'a proposé concernant ça. Ni tout, on y s'est laissé selon ça qui dit, bon côté article. Responsable de l'administration Biden, accusé membre élite politique et économique pays d'Haïti, selon ça, on dit, cap travail pour cap financer par moyen pour que l'activité gang criminelle dans le pays déstabilise le pays fait chaque jour. Zak kidnapping, zak enlèvement, bloquer le pays, bloquer nous, bloquer port nous. Tout ça, yo, selon le département trésor, yo expliqué que normalement, il y a un ensemble d'acteurs politiques, il y a un ensemble d'acteurs économiques qui a financé ça. Dans le jeune garçon, il y a un ghetto, dans le bas munitions, selon ça, dit. Mais alors que le responsable américain a déclaré publiquement que personne ne peut épargner en bas sanctions que les États-Unis prennent là. Depuis que vous gagnez, vous avez information sur vous, vous données sur vous, on va mettre tout dit tout au pape épargner selon ça, dit. Et même à ta de citoyens qui t'a résidé, citoyens et ça qui résidé, qui t'a légal, soit États-Unis, tout de pour gagner des données, informations sur vous, il fait qu'on est, il y a prend sanction contre tout. Réalité, je dis là, mais il y a pile gros cadre, soit qui n'a gouvernement en Haïti, qui États-Unis, qui tout, comme si qui gagne des rapports, ensemble de monde qui gagne des rapports, dans la question de trafic de drogue, trafic de question de munitions, mais ils ont tout visé là pour tomber en bas sanction la loi, selon ça qui dit à côté, département trésor États-Unis.